até na que não é só aquela até maintenant les sept autres planètes les sept autres planètes sont quoi sont l'endroit qui n'est pas atteint pas Adam pas la planète d'Adam l'endroit qui n'est pas atteint c'est comme ça maintenant pourquoi huit planètes pourquoi elles sont nombre de huit parce que regardez huit elles sont 8 et dans le 8 à la puissance 8 de l'alphabet c'est H et son muscle c'est ceci H en fait c'est quoi c'est l'horizon hein? C'est l'horizon et je vous dis que l'horizon c'est un miroir c'est la forme de ceci ça c'est un miroir un grand H la forme de miroir un tiroir qui est ouvert H de l'alphabet c'est quoi c'est l'horizon. Regardez ça, Pop. Regardez, le voilà, H, je le mets en patron. Et là, ceci. Et puis là, quoi? Là, ceci. Ceci là, cette partie-là. H, ça, c'est quoi? C'est le ciel. Le ciel qui couvre la terre. Le toit de la terre, le ciel. C'est le ciel, ça. Maintenant, ici. Ici, c'est quoi? Ce niveau là, le jaune là, c'est quoi? C'est pour dire ce niveau. Le niveau là. Ce niveau là, cette partie là, c'est quoi? C'est l'horizon. Là où le ciel s'abaisse. C'est l'horizon. Ce niveau là. H, c'est l'horizon. Et c'est bien expliqué dans le cours de Bénin. C'est l'horizon. Lisez le cours de Bénin. Et c'est l'horizon qui est au milieu de deux planètes consécutives. Voilà. C'est l'horizon qui est au milieu de deux planètes consécutives. Puisque voilà la Terre, ici la Terre, c'est limite, voilà le ciel qui est là. Les deux planètes aussi, chacun d'eux a aussi un ciel. Il a tout à huit planètes. Juste là, comme ça. Et c'est l'horizon qui fait quoi? C'est l'horizon qui sépare chacune des quoi? Chacune des planètes. Et l'horizon là qui sépare, ainsi la Terre est divisée en 8 planètes. C'est l'horizon qui divise les planètes. C'est l'horizon qui divise les planètes. Et l'horizon c'est lui, H c'est le 8. Ainsi, toute la Terre, et la Terre entière, est divisée en quoi? Je ne veux pas dire notre Terre là. Hein? Toute la Terre, tout ça, je l'appelle la Terre. Tout ceci, tout ça là. Ainsi, elle est divisée en quoi? En 8 planètes. Parce que c'est 8 qui les divise. 8 horizons qui les divise. Et chaque planète a le ciel pour toi. Chacune des 8 planètes là a quoi? A le ciel pour toi. Et c'est qui le pauvre. Donc en principe, puisqu'il a quoi? 8 planètes, il doit avoir quoi? Il doit avoir 8 cieux. Puisqu'il a 8 planètes, il doit avoir 8 cieux en principe. Mais tel n'est pas le cas. Parce que Dieu dit qu'il a créé sept cieux.